Dans le dossier arrestation, commissaire Gauthier, bagala empiré. Moun commune Taba mandé enragé. Dans le moment parler là, il y a gros manifestation dans Taba qui prend direction DCPJ pour dire non, yo pas d'accord avec arrestation commissaire Gauthier qui c'est responsable commissariat Taba. En pile moun prend la rue, y a chauffé ben la prend et yo accompagné yo la rue bloquée pour aller de CPJ yo exiger libération commissaire Gauthier. Yo te garder vidéo ça, on va avoir plus d'état avec précision. Puissant chef gang criminel kidnapper Jimmy Cherizier alias Barbecue fait gros déclaration et on ka dit tout, mi se fait un gros fête pendant la fait déclaration si là. Tendez bien. Dans l'émission précédente, te dit nous il y a plusieurs Américains qui débarquent, qui viennent faire barbecue interview. Américains qui travaillent pour une agence qui relaie Routes et qui font une interview et puis ils ont porté cadeau pour le chef gang. Le barbecue fait une grosse déclaration et puis il y a des CPJ défi. Mais les journalistes Routes sont là, sont capables d'arrêter. Pour nous, ça va arriver nous. Ça, c'est défi. Jimmy Cherizier, by DCPJ, pour arrêter journaliste qui chita la Kaili, qui pour cadeau pour lui, qui va lui interview. Ouais, vidéo ça, c'est une émission qui est vraiment spéciale. M'a demandé nous, pour nous prendre un petit temps, pour nous tendre, et puis prendre note de ce qu'on dit là. Avant de montrer droite, dans le dossier commune Taba, mais qui te fait regarder la vidéo ça, côté chef gang vivant ensemble, barbecue, l'a décacheté cadeau, journaliste se pote pour lui, l'a regardé, journaliste se pote des gouag pour lui, des whisky, je pote un cagoule pour chef gang, nan. Ça veut dire qui ça pour vous-même. On regarde la vidéo ça, pendant que vous regardez, tout qui te commentait. Parce que, je ne comprends pas pour journaliste qui a fait une interview avec un bandit pour porter un cadeau pour lui. À qui intérêt? On regarde la vidéo ça. Pas pour nous aller. Je suis côté une série de vidéos où je parle avec les journalistes. Et je suis gang, je suis au bandit. D'ailleurs, dans le pays, il y a toujours beaucoup à aller. Et puis, des CPJ, je ne connais pas des CPJ qui font travail. Si nous avons un grand bruit, nous allons arrêter. Ça, c'est journaliste Reuters qui peut le faire cadeau. Ok? Ça, c'est journaliste très géo. Et, vous avez les yeux, vous avez un grand bruit. Vous choisissez votre grand bruit. Vous avez un grand bruit. Et moi, je vais vous dire, c'est vicieux, si vous avez un poison dans la dalle. Vous connaissez ma main. Ça, c'est un black label. Ça, vous pouvez faire cadeau toujours. Ça, et journaliste américain, on peut faire un cadeau. Et ça, et cigarette, on peut faire un cadeau. Alors, non, à cigarette, on peut faire un cadeau. Et ça, comme on a dit, il n'y a pas de cadeau. Et tout ça, bien filmé, on peut faire un cadeau. Ok? Bon, voilà, si on a des couleurs, on peut faire un cadeau. Je peux faire des bagages exactement qui allaient avec ça. Ouais, je vais te couler la balle, mettez. Bon, comme mettez un qui ouvre, bon, mettez. Ok, mettez un qui ouvre, bon, mettez. Et oui, regardez-moi. Ok, ça son cadeau, tout ça nous montrer nous là. Et c'est cadeau de la part du journaliste Reuters. Ok, et j'en dis en talent mal publié. Et puis vous en faites vidéo. Vous en faites vidéo. Vous faites vidéo pour montrer nous dans le pays, nous sous hommes. Vous allez nous défier à arrêter les journalistes. Vous allez nous défier à l'arrêter.
OK, va nous défi. Yo nan pays a pou aller. Parce que on va faire tout semaine, on peut rencontrer Godi était dans pays toujours. OK? Vidéo ça, ou saute garder là, c'est Jimmy Cherizier, la Kaili, qui filmé cadeau journaliste Routes yo pote pour lui. Pendant la fait vidéo, la décacheté cadeau yo. De grog, whisky, yo pote pour lui. Yo pote cagoule, yo pote cigarette pour lui, gros cigare yo. Yo façon pour gang nan trip avec base là. Étant donné y a vinn wè yon VIP, y a vinn wè met pays, yo pote cadeau pour lui. Kounya m ka di, a ki intérêt yon journaliste étranger vinn fè yon interview avec un puissant chef gang criminel kidnappé nan ka krasé pays pour pote cadeau pour lui. Baron ba ça. Kounya va imaginer si c'est yon journaliste haïtien qui te vinn fè yon interview avec un gang. Lui te pote on boute rhum pour lui. Pote petit gâteau, pote cagoule, pote cigare pour lui ou t'ap tande? Jeunes haïtien yo nan gang. Comme moi barbecue by DCPJ, on défi et garanti DCPJ. Jeunes routes yo, yo aller yo nan pays a toujours. Si n capable arrêter yo. Hein? Comme soule la, c'est moi même là qui débarqué al ba yo interview. Avec yon chef gang yo la, comme te gen gè nan Simon Pelé avec Cité Soleil. M'ta di ma pepe matin, m'pa gade ki sa ba la yé, pou m'ka jen tout dete avec précision, pou m'ka pote pou nou, ou tap tande la, m'nan gang. Hein? Mais laisse un journaliste étranger qui débarque nan pays d'Haïti, vin m'bay micro avec bandi yo, yo pa gang. Yo pa gang, mais c'est nous même qui haïtien qui gang la. Bon, nous tande. Et nous comprenons là tout, nous voyons qui je t'en fais là. Parce que si DCPJ pas qu'à arrêter joueurs américains qui viennent faire interview avec Bandi, yo à l'aise. Y a dormi avec Bandi, yo mange avec Bandi. Yo votre cadeau pour Bandi, même cagoule. Yo voté pour barbecue. Ça veut dire qui ça? Nous grand timoun, nous comprenons. D'ailleurs, nous traversons la rue pour contre nous voyons ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Bon, voilà, je traverse dans le tabac. Parce que gomba qui a passé tabac là, moi trouvé que moun nan commune tabac yo, si yo va se tirer konnen que yo son l'autre bagaille ou bien tout yo nan connivence. Ma comprendre pour DCPJ arrêter commissaire Gauthier, c'est lui même qui responsable commissariat tabac. Tendez bien, oui. Ouais, image regardé là, c'est dans tabac. Bon, regardez qui j'ai manifestation à dérouler parce que pendant on parler là de manifestation tabac qui prend direction DCPJ pour demander libération commissaire Gauthier. On regarde vidéo ça, à vous en tourner. Manifestation qui fait pour CP Gauthier comme mon tabac prend la rue là. Vidéo ça qu'on se garde là, c'est gros manifestation moun tabac a fait là pour exiger libération commissaire Livingston Gauthier sans petit temps. Yo mande Normil Rameau. Tenez bien, oui. Yo mande Normil Rameau jouet pour ou arrestation commissaire Gauthier et puis mettel en isolement. Moun tabac dit yo pas d'accord avec décision ça. Hey, m'a dit nous bien. Mene qui Livingston Gauthier, c'est commissaire sur gâteau écran là. Yo arrêté vendredi ce passé là. C'est DCPJ même qui fouke tout. Yo accusé lui même avec yon inspecteur. De ka di, yon inspecteur avec de l'autre monde qui t'a touye yon citoyen.
dans tabac témoin yo rapporté yo té wè commissaire sous scène crime nan yo déposé plainte nan DCPJ contre commissaire Gauthier. C'est Lionel Lazare, porte-parole adjoint PNH là qui t'a confirmé formation si là. Et formation ça, c'est Lionel Lazare qui confirme. Pas oublier, Lionel Lazare, c'est porte-parole adjoint en dedans PNH là. Tenez bien. Commissaire Gauthier, gien pile témoignage qui veut joindre moi. Livenson Gauthier, gien moun qui dit son moun yo reconnaît. Et je suis reconnaître, monsieur, depuis là, il était responsable sous commissariat Kazo. Mon ne connaît tout, il pas de connaître comme un vacabon. Kounya là, c'est commissaire Tabali. De ce j'ai arrêté commissaire ensemble avec plusieurs autres inspecteurs, police, parce qu'il y a des sous yo, il y a contact avec bandit. Au lieu de ce peuple, au lieu de peuple là, l'homme dit peuple là, c'est moun tabac qui te DCPJ fait tabac li, yo ke te pren la rue a boule krasé brisé mande libération commissaire Gauthier. Tendez bien, yo pas besoin qu'on ait, si c'est vrai commissaire Gauthier était sous scène de crime, était trouvé moun nan tout bon, ou bien c'est menti. Le fait que lycée yon nèg qui sage et yo remel, mais qu'on ait, ça va suffire. Imagine ou, on moun, ou gen plus que 10 ans remè avec moun, ou marié avec moun nan, li trop ou. Et ou te ka di, ou gen tout temps avec moun nan, li pap trop ou. Li gen yon, li pap trop ou. Ça arrive, commissaire Lionel, Livenson Gauthier, ils sont moun ki sage. Mais ça va veut dire, li pa kanan connivence avec bandi. Hein? Moun tabag te pre la rue, mande libération. Gauthier, Kounya là, moi selon même pas ce papier là, monsieur vous un conseil pour DCPJ. Il dit si toutefois vous t'a fait mener investigation qui t'a révélé commissaire coupable tout mon oui de ça qui est reproché là. Hein? Vous t'a doué transférer. Raison c'est parce que l'ina et de kadi il n'a commis non trop longtemps. Parfois que nous connais parfois faut qu'on retire chef yo dans zone non parce que pour ca dans zone de confort yo voyez on l'autre côté pour monde pas connait. Imagine nous Livenson Gauthier, il dans zone depuis un bon bout de temps, tout le monde dit on connait lui même tout li kon bandi yo. Mais bon, on tient exemple tout clair avant. Gon nèg la te rele et commissaire Blokis nan Kafourita. Tout bandi kont misye. Commandant Blokis la kont misye. Yo te kidnappé ti bandi de maman ki kidnappé. Monsieur a. Après ça l'a vu nan bazar avec chef a libéré. Mais il dit monsieur, nous fait erreur. Mais c'est ça nous là chaque jour nan Kafourita l'appli, pas l'appli. Li nan Kafourita l'a débloqué Blokis la. Commandant Blokis la, kounya la mkwè, mais ça a mouri. Mais en plus moun konnen le bandi yo konnen. Si bandi yo kembel, d'ailleurs yo sekre misi a libéré parce que yo konnen misi a fanyen. C'est de même tout pour Livenson Gauthier. Yo arrêté comme quoi li nan connivence avec bandi. Kounya la. Fòmzou bien. Si gen bon jan preuve commissaire Gauthier dans gang tout bon vrai qui ont marré tout roi mettre dans prison net mettre dans prison mais péri dans prison parce que on pas commissaire pour nous connaître avec gang ou t'as supposé prendre commissaire Miskade comme exemple. Oui c'est ça ou t'as supposé faire n'a garder un jeune garçon hein et monsieur jeune toujours il jeune n'a garder fils monsieur là. Hein, pas quoi que pour ta gang. Hein? Yo accusé lui même là avec plusieurs inspecteurs. Ta tout yon citoyen tabac. Et ça ou dit kounya là. Si toutefois, li touye moun nan tout bon vrai. Place monsieur et en prison, pas un autre côté, pas un des choix.
Bon, malé. Rendez-vous dans une prochaine émission pour qu'on vienne notre dossier. Pas oublier Chanel ça. Et c'est nous-mêmes qui baillons 100% vérité sur les réseaux. Je vous demande pour like, abonner, peser sous cloche notification. Retirer sous personnalisé sous tout. Pour les nouvelles vidéos. Pour ne pas rater. On va fumer, on va faire gaz, ça va faire ça quand même. Il y a des gens qui ont fumé quand même. Malgré tout, interdiction de fumer. Mais marcher nous tout, il faut éteindre. Il y a des gens qui vont utiliser le téléphone. Ils vont utiliser le téléphone. Il y a des gens qui vont faire sauver, papa. Ils ne vont pas parler en français, en créole, en anglais, en espagnol. Ils vont tirer les nations sur les. Si vous voulez, vous avez quand même. Mais même c'est Saint-Thomas, nous et tout. Tout le mal là pas arrivé, il n'y a pas quoi que. Et il y a des possibilités, non? Donc, mais Python Fell. Il y a des gens qui t'aident dessus ou bien des gens qui décident ou même ils ne peuvent pas attendre. Et puis, il y a payé pour ça. Mais au moins, et nous jouer participation par nous. Je t'ai évoqué tout à l'heure, question sécurité, peut-être même s'il n'y a pas de cas spécifiquement, mais il y a toute bonne possibilité pour nous, au fond, on fait net sous lui. Sécurité routière, volet, sécurité publique, là, etc. Par exemple, jeudi, il y a un bagage que je voulais vous retenir. Côté camion, ça passe. Ils sont déviation à mi-temps ville Miragouane, li pas fait pour le recevoir machine avec fortonage ça yo poids lourd ça yo. Par contre vous comprenez non? Et en pile machine fell les temps ça yo son route qui très coincé, deux machines pas qu'à passer là dans la lèse. Donc comme c'est seul monter machine yon monter non monde qui a pique. Yo rapporté que gon camion trailer qui en panne. Pendant la panne là, camion gaz là lui-même a forcé passer sous côté. Et c'est dans forcé passer sous côté là. OK? Là grave mouillé là et puis s'entendé là, gaz commence à couler. Li pensé le té ka continuer aller. Li avancer. Mais à plus de 500 mètres, gaz a continué à tomber avec persistance, il est obligé de camper. Et bien, c'est laisse ça, premier mot, chauffeur, moto, pareil, bon, deuxième, avis, on y va. Mais probablement, si tu as un regard, pour te dire, OK, route ça, gros camion va passer là-dedans. Route ça, camion, machine poids lourd va passer là-dedans. Bah, c'est au moins, machine gaz à la fois, tout n'est pas vrai. Mais nous avons tout profité dans la même situation, ça garder qualité camion qui a transporté gaz à l'eau. Dans quelles conditions il a transporté gaz à l'eau. Et jusqu'à présent, tout le monde a machine gaz à passer. Mais vous ne connaissez pas, est-ce que effectivement machine gaz a passé à une condition? D'abord, vous faites ça la faire. Qu'est-ce qui est contrôle sur vous? Vous comprenez? Ensuite, pour le poté gaz là. Parce qu'un produit qui est si dangereux, tant que le gaz n'a pas lié à là, nous supposons, il n'a pas dû transporter dans n'importe condition. Maintenant, qui est-ce qui doit vous regarder ça? Cap veiller pour connaître, long camion a fait trajet ça, est-ce qu'effectivement, camion ça réunit condition pour le faire activité ça? Et deuxièmement, ça l'a transporté, est-ce que le transporté dans de meilleures conditions? Ok, conformément à sa norme demandée à l'échelle internationale. Mais je dis à Simando, qui est-ce qui gagne droit ça pour qu'on ait commencé à faire dans le secteur, dans le milieu, nous supposons ni où, ni guerrier de seul, pas pour répondre. Oui. Et puis, il y a l'autre volet que nous avons ajouté encore dans les questions de sécurité, parce que ce n'est pas seulement. Et répression, on a fait prévention à tout. Et Johnny, par exemple, et y a un camion citerne qui prend en route, qui n'est pas destiné pour ça, et qui arrive à percuter avec un autre trailer qui est en route là, ou t'as demandé, par exemple, si pas une autorité locale, si pas de monde en ville là qui peut te prendre des dispositions, au moins établir un périmètre de sécurité pour éviter que moun varé sur et camion pour que yo vienne approvisionner dans carburant parce que. Un danger de vie et de mort qui plane sous tête yo là. Donc tu as posé une question dans le pays. C'est normal mon cher. Bon, l'État toujours aux abonnés absents. Avez dit dans ville là sur route nationale en temps normal yo pas présent comme si nous non déviation en dedans notre tête pendant ou pense que tu vas aller dans courir vite. Alors sans l'heure. Ah faut arriver yo Ronald. Faut arriver yo arriver mon cher. Ça nous doit comprendre. Route ça n'a pas l'air et là n'a pas tout rentré tout dans une conséquence de sécurité. Vous comprenez? Ça crive. Route ça n'a pas l'air. Son route par exemple, les machines voulaient éviter mi-temps ville Miragouane, son déviation liée. Donc pour monde qui connaît Miragouane, bien là où il veut qu'à foutre des ruisseaux,
pour éviter le fond avancer et puis les bonnes possibilités pour aller prendre route nationale numéro 2 à l'autre niveau pour éviter cette ville là. Déviation ça me croit est faite sous Préval, les CN était à la mode yo, que dit son déviation même pas connait qui asphalté normalement mais qui dans mi-temps deux monde qui très coincé d'ailleurs. Yeah. OK, moi dis ça c'est pas de bail qui était fait pour machines à passer. Maintenant, la force des choses fait que route ça vient très fréquenté. Par exemple, camion gaz n'a parlé là madame monsieur et là nous n'en voulons insécurité ça nous connaît. Camion gaz ça n'a parlé là. Li sorti Port-au-Prince, c'est pas courir le courir pour arriver Miragouane, li passé par bateau. Yeah. Donc là il arrivé au niveau dont wa fiorer les wa Reynolds parce que dit non c'est un citoyen Reynolds mais les Reynolds c'est qu'on exploite wa ça pour bauxite etc. Bah, ça yo comme wa principal Miragouane a un problème. Dans le moment où là, etc. Et puis, vous venez prendre un WAF qui est tout prêt, qui n'a pointe la mer. Donc, si les camions finissent de décharger, finissent de sortir dans le bateau, là, on y a la police, elle tombe sous national numéro 2, elle passe par en dedans, là, elle monte. Donc, si pas de gagner insécurité, ça veut dire si pas de gagner Marianic bloqué, si pas de gagner et Matisse 5 bloqué, à tout l'autre niveau de connaissance dans le grissier, machine t'a fait couloir normal là, il t'a passé, il t'a évité déviation ça. Et ça me voulait mon yo retenir matin. Par contre, vous comprenez non? Ça veut dire machine t'a passé dans route normal là, probablement tu gagne droit éviter ça. Parce que c'est pour machine il faut accident comme on dit accident de arrivé n'importe là. Moi d'où son machine, qu'elle passe au côté le pas de passer, le forcer passer et puis n'en passer à bon bail qui poser. Yeah. Donc s'il dépasse dans route normal là, tu gagne éviter ça. Est-ce que là? Yeah. Donc voilà pourquoi nous dit pas de n'apprécier et garder sa crivée à tout. Faut garder le 1 par rapport avec ignorance mounio, manque d'éducation mounio. 2 par rapport avec sensibilisation, comment il fait autour de question ça. 3 faut garder là avec vous la sécurité routière, sécurité publique, etc. À côté par des pièces moun qui gen et regard sou rien qui a fait dans le pays. Par exemple, je dis à vous qui est très à la mode, ça ne va pas faire cocalan. N'importe côté mounio, mettez gaz pour pas de mounio. Oui. N'importe côté. Ou quand vous avez 2 cas là, et puis carrément, où on va construire là. Ou dormir au lever où est son gaz pour pas là. Yeah. Et pas de personne qui dit propriétaire là, rien. Yeah. Et bien la vie est tellement légion, presque chaque quartier passé où on a 2-3 gaz pour pas dans la vie. Peut-être qu'il y a tant de selon malheur arrivé pour se laisser ça et responsable autorité compétente pour sortir une note pour dire bon, mais il a fermé tel gaz pour pas l'obéir. C'est nous-mêmes nous remet ça son l'état et ça arrivait souvent déjà monsieur, soit dans 31 ou bien dans 33 tu gagne plusieurs machines qui étaient boulées parce que j'ai si gagne mon mourir ouais non, non, non. Oui c'est ça plusieurs reprises ça arrivait. Alors l'autre bas m'a dit Johnny c'est que si nous prenons banditisme dans comme conséquence à ça arrivé mais tout gagne ça n'a qu'à reler concentration on bande avec un paquet de services OK avec infrastructure qui seulement gagne dans la capitale là. Ça arrive déjà, nous fait plaidoyer ça là déjà. Et pour qui ça pas qu'à gagner et gaz va débarquer, m'a connait dans sud dans cap haïtien. Hein, pour qui ça c'est Port-au-Prince tout bagaille concentré là. Hein, ou imaginez tu gagner ça non par exemple dans nord ou bien dans sud. ça va t'appeler. Ouais, pour qui ça? Qui ça qu'empêche l'État fait ça? pour qui ça toute infrastructure ça concentré dans Port-au-Prince? Et c'est ça qui fait les Port-au-Prince et depuis un petit problème qui est dans la capitale là et puis toute province a payé conséquences là. Yeah. Et tout pays a vin affecté. On a peut-être y a peut-être un autre drame encore, ouais, ou bien on rivé et pour pas le temps de on fait ça. Il va le mobiliser. Oui, bon port dans le sud. OK? Il va empêcher de fonctionner. Hein? Il va empêcher de fonctionner avec son seul bateau si il débarque là dedans après ça, les tout camper là. Pas grand quelle explication qui baille pour ça. Ils ont une infrastructure qui là, mais elle pas qu'à fonctionner. Bah qu'on est pour qui raison? Est-ce que c'est parce que il y a des gens qui vont affecter l'intérêt. Vous comprenez? Ouais. Ou bien qui ça explication y est? Pour que l'État est obligé de dépenser quand c'est l'argent ça dans ce sud-là? Non mais. L'autre aspect,
nous devons mettre focus sur lui. Et je pense que c'est ça qui est plus intéressé, non? Messieurs, ou dans les hommes guerriers du seul, c'est que ça crive bien la gouane, encore une fois, libère nous possibilité pour nous remettre en question notre système de soins. Le système de soins haïtien. Libère nous possibilité pour nous à quel niveau système ça lui-même est défaillant. Libère nous possibilité pour nous à quel niveau système ça est sous la grabat. Guerriers du seul. Avant nous y vaisseau et des éléments importants que nous soulignons, quittez-nous un coup de chapeau pour l'autorité dans le niveau département Niplan, dans ministère de santé publique et population, qui quand même démonté une cellule au plus vite pour te kabaye une réponse. Nous saluer leadership directeur départemental sanitaire là au niveau du département de Nip. Comment le relier? C'est pas docteur Laroche, docteur Jacques Laroche. C'est pas trompé. Docteur Jacques Laroche, moi même pas connais le baba Lavelle mais moi j'ai un feedback yo. C'est vrai que réponse là il pas ça tout le monde espérer ya. Même penser si pas de bonne réponse et c'est ça que tout t'a pral vaut la présence d'un ensemble de monde au niveau de l'État central, que ce soit PM non, ou bien cadre de ministère, la ministre et autres, au niveau du département de NIP, si pas de bonne réponse et qui te baille, je pense que la situation est plus grave. Ça veut dire pas grave, mais elle est plus grave que ce qu'on a décrit là, ou bien on a décrit au départ. Là. Mais toujours est-il, réponse à l'irrévélé, je ne peux pas le dire inefficace, mais le pas venir avec ça nous espérer. Yon la de yo, c'est capacité l'hôpital qui est dans la région ça, qui est très limité. C'est des centres hospitaliers, même si tu as considéré yo, comme des centres hospitaliers de référence dans la commune ou bien dans la zone côté yo ya. Mais yo très très limité. Et c'est genre de drame ça, genre de situation ça, genre de situation ça, pour montrer ou dans quel niveau l'hôpital nous gagne là aussi non en beauté, mais il ont pas gagné vraiment des infrastructures, des compétences et des ressources nécessaires, ok, pour répondre à la principale mission. Par exemple, l'hôpital Sainte-Thérèse n'a pas là, qui c'est l'hôpital de référence en dedans département ou bien au niveau de Miragouane. Mais en temps normal, l'hôpital ça fonctionne, il pas gagné de problème ça yo. Guerrier Dieu seul Ronald des hommes. On ne doit pas avoir faiblesse. Mais les gens de situation ça représenté. Bon, menti nous tout ni. Il laisse au bras le comment l'hôpital ça a fait face à des problèmes d'ordre structurel, notamment. Parce que ça pour moun yo comprendre. Gan pile moun yo rive transféré, pas transféré, transporté d'urgence. Mais gan pile moun qui souffre, gan pile moun qui tombé. C'est pas volonté que pas gagne, non. Il y a deux bagages qui pas gagne dans l'hôpital ça. D'abord, gros problème de ressources humaines. Ça veut dire qu'il y a des spécialistes qui pas gagne dans la région ça. Mais deuxièmement tout, il y a un problème matériel, problème logistique, capacité d'accueil. Parce que on l'hôpital qui est destiné à recevoir 50 malades couchés guerriers. Et bon matin, vous débarquez à 100 ou débarquez à 200. Vous pouvez imaginer le reste. Par contre, vous reprenez Ronald les hommes. En l'hôpital, par exemple, qui était juste à fonctionner avec service de base. Et puis, brusquement, on a quatre présentés, on a besoin des spécialistes. Par exemple, des orthopédistes, des chirurgiens, par contre, on est bien. Mais des spécialistes qui, peut-être, qu'à bas, ont réponse avec le corps. Et puis, pour une raison ou pour l'autre, ils n'ont pas là. Mbralbo, il y a une réalité, l'hôpital, ça y qu'on fait face avec eux. L'hôpital professionnel, par exemple. On dit pour résoudre pour l'autre, tel a été le cas au niveau du département de NIP, et puis on a décidé de dire pour recruter des spécialistes pour l'hôpital de référence, pour l'hôpital Sainte-Thérèse. Et puis toutes spécialistes, pour ne pas dire majorité là de Ronald, côté à vivre, il y a vivre Port-au-Prince. C'est des spécialistes qui travaillent à Port-au-Prince tout, qui ont une clinique Port-au-Prince tout, ou bien tout qui est de l'hôpital privé pour l'État en de Port-au-Prince, par exemple. Et puis, ils ont recruté au niveau de l'hôpital dans le département. À
cause problème Matissan, à cause problème Marianien, dans pile dans spécialiste qui dit eux-mêmes, yo pas capable travailler en bas. Par contre, vous comprenez non? Mais ça compte pas tout dire fonier pendant que Dieu pas venir travailler là, mais l'échec l'a tombé. Il y a le derrière. Ça compte pas être fonier. Ils font façon à d'elle, mais ils pas font façon pour descendre. Vous comprenez? Et par tous les moyens, elle travaille en bas. Bon, on comprend ça, il y va de la vie, mon de sécurité, mon nom, pas facile. Mais parallèlement tout, on pas calme l'échec là. On travaille pour pas faire. Par contre, vous comprenez? Donc, il vient de faire que. Tu as décidé de me quitter, par contre, c'est toujours maintenu. Tu as dit que le département de la tête même qu'un B, chèque. Léo Sotil, il dit négatif. Pour moi, je prends un chèque là, il faut venir travailler. Donc, l'hôpital, ça va faire face à une carence de spécialistes. Ouais. Pas gagné dans la région. Alors, c'est toujours le même problème, centralisation encore. Ça veut dire que même dans le niveau ça, dans le niveau compétence ça, comme souvent, c'est du bail qui est centralisé autour du capital là. Alors que. Par contre, l'État a gagné des partenariats qu'il fait avec deux pays, notamment Cuba, par exemple. Il y a un ensemble de jeunes qui ont formé dans la médecine au niveau Cuba, mais qui parfois retournent. C'est n'importe quoi, c'est là où tu as cherché travail. Parce que l'État, dans l'hôpital, n'a pas allé au la journée. Il n'y a pas même canalisé, on fait des ouvertures pour eux, pour qu'ils aient mettre ça, qu'ils aient appris au service de communauté. Non? Est-ce que vous comprenez? Ça vient créer tout. Et ratement de compétences que vous parlez, hein, qui vient faire que il y a des situations là opposées dans ces deux zones ou pas joindre et main d'œuvre qualifiée, on pas joindre compétences là qui pour mettre le service de communauté pour bailler mon et soins que cas nécessité. Ouais. Donc il y a ça comme réalité tout. Et c'est tout le temps ouais mon ça va plein, il y a fait de mouvements pour que yo intégré yo dans système là pour que yo vienne mettre ça au gain à contribution pour aider communauté hein, par rapport à ces deux problèmes qui a tracé. Donc encore une fois, c'est appel pour que nous commençons à décentraliser bah, et puis faire de l'ouverture tout pour nous permettre que ça que nous gagnons comme ressources, nous sommes capables de gagner dans le pays pour aider les pays, pour aider les populations. Comment? Est-ce que M. fait nous saisir? On a des hommes, Grégory Lubin, Dieudonné Tadjidjo. Junior. Nous avons arrivé à Miragouane. L'État haïtien via le ministère de la Santé publique. Mandé l'hôpital La Paix, donc l'hôpital La Paix, hein, pour prendre en charge certains patients ou bien certains mouns qui victimes et qui n'ont été critiques dans ce qui passe à Miragouane. L'hôpital La Paix, dis-le pas capable. L'hôpital La Paix répond négativement, qu'on y a là intelligemment. Madame Bougiza. Intelligemment, madame Mogisa. L'hôpital La Paix dit le pape capable ou bien le pas capable là, pas parce qu'il a fait style, il a fait intéressant. L'hôpital La Paix dit le pape capable ou pas capable là, pas parce qu'il est insensible à sacrifier ou bien à souffrir ce monde. L'hôpital La Paix pas capable parce que tout simplement, madame, monsieur, il fait face à un ensemble de problèmes qui mettait dans une situation aujourd'hui à côté de dépassé par les événements, il n'y a pas gagné possibilité pour recevoir mon accord. Capacité d'accueil. L'hôpital La Paix d'a parlé là, madame, monsieur. Il y a un problème aux ressources humaines, c'est-à-dire mon bras nécessaire pour faire travail là. L'hôpital La Paix d'a parlé là, une capacité d'accueil limitée. L'hôpital La Paix d'a parlé là, il y a un problème logistique. Comprenez, moi je dis comme ça, les gens qui victimes dans ce qui passe à Miragouane, l'État ici, via le MSPP, mandé pour l'hôpital La Paix recevoir quelques patients pour lui. Pas capable. L'hôpital La Paix, pas capable. Et je veux que vous retenu ça matin. Et pour rappel, c'est très important ça me va le dire là. Après l'HUEH, l'hôpital de l'université d'État haïtien n'a parlé là de l'hôpital général. L'hôpital La Paix, c'est le deuxième plus gros centre hospitalo-universitaire dans la région. Après l'hôpital général, c'est le plus gros centre hospitalo-universitaire. L'hôpital général a une capacité d'accueil 800 lits. C'est-à-dire qu'il peut recevoir 800 malades hospitalisés là-bas.
La paix lui-même, elle est bien. Une capacité pour recevoir 200. Depuis mars, pour ne pas dire février même, l'hôpital général n'a pas existé encore. Donc tout le monde qui te connaît prend service au niveau de l'hôpital général, tout le monde de petite bourse qui n'a pas de moyens, même Jacques Nouyo, pour payer l'hôpital privé, ils tout dirigé vers l'hôpital La Paix. Oh, madame, monsieur, l'hôpital La Paix. Pas préparé pour ça, pas de capacité pour ça. Vous comprenez bien? Et n'a pas noté, c'est l'hôpital La Paix avec l'hôpital général comme deux entités de formation dans le domaine 9 qui ont tout soin spécialisé au niveau tertiaire, pour me répéter, technicien qui fonctionne 24